It's a vulture. It's a vulture. Roglic is starting to rock and roll a little bit now on this climb. All right, Javier, come on, man. This is for the Tour de France. Come on. I know it's hard. You just got to hang on. Superman Lopez wins the stage. Pogacar almost got back, but he has found the Col de la Loz, a fearsome opponent. J'étais pas dans le délai, mais je pense que je suis content que Brian il a fait. Et après, on avait le choix, sauver Brian ou moi, et on a vite choisi. Debusschere is the only rider outside of the delay today. Disappointment for him. Le Tour de France continue d'essorer le peloton. Aujourd'hui, place au col des Glières et sa portion de 2 km non coudronnée au sommet après 6 km d'ascension à plus de 11% de moyenne. Encore un piège donc, cette étape avec le plus fort dénivelé de ce tour, 4550 mètres, avec le Cormet de Roseland, le col des Saisies et le col des Aravis en apéritif. Beaucoup de coureurs, des baroudeurs, des déçus au général qui tentent de partir dans l'échappée. Aujourd'hui, une trentaine d'hommes arrivent ensemble au sprint intermédiaire de M après 14 km de course. Le sprint intermédiaire, nous sommes à M avec Sam Bennett qui remporte ce sprint intermédiaire devant Matteo Trentin et Peter Sagan. Bonne opération encore pour l'Irlandais. Les sprinteurs se relèvent, Bennett, Trentin, Sagan notamment. En contre, quelques coureurs tentent de revenir sur le groupe de tête en vain. Dans le Cormet de Roseland, la bonne échappée se dessine avec notamment les Ineos Grenadiers et leurs quatre représentants, Carapaz, Castroviro, Van Baarle et Kwiatkowski. On retrouve aussi deux vainqueurs d'étape déjà sur ce Tour 2020, Nance Peters et Mark Hirschi. Allez, Richard Carapaz, Mark Hirschi, qui est le plus véloce? Je dirais Hirschi. En plus, il a lancé de loin quand même, Carapaz. Ouais, et puis il est un peu cuit, Carapaz. Hein. Il a une sacrée santé, mais... Ouais, troisième échappée de suite. Ah ouais, ça fait trois jours qu'il s'y colle. Hein. Les deux hommes, Hirschi et Carapaz, continuent leur escapade dans la descente du Cormet de Roseland et sont bientôt rejoints par trois hommes, Nicolas Hédé, Kwiatkowski et Peyo Bilbao. 204, Mark Hirschi. 5 points pour lui. I will try to go in a break. I think it's also like the last chance. Yeah, I hope the legs are still good. Non, avec une chute, eh bien voilà, il est parti à la faute, Mark Hirschi. Et oui, descendeur prodige, virtuose de la descente. Il est reparti, Mark Hirschi, puis une chute est reparti. Dans le col des Aravis, ils ne sont plus que trois en tête. Peyo Bilbao accompagne les deux Ineos Grenadiers. Mark Hirschi et Nicolas Hédès sont définitivement distancés pour la victoire d'étape. Bilbao est distancé, deux hommes en tête, deux coureurs de Ineos Grenadiers, Carapaz et Kwiatkowski. Au sommet du col des Glières, les deux coureurs Ineos sont quittes pour aller au bout. Carapaz vise le maillot à pois, Kwiatkowski la victoire d'étape. Sur le plateau des Glières, du côté des favoris, on se regroupe, seul Yates, Valverde et Uran du top 10 manquent à l'appel. Richie Porte, toujours pas verni sur le tour, crève au mauvais moment. Il est distancé, Richie Porte est distancé sur le col des Glières. Compagnie jaune se rapproche du duo de tête, c'est 3,50. 3,50. 3 minutes 40, 3,40 is the gap over the yellow jersey group. Still 2 in the lead, 2 in the lead. Carapaz, Kwiatkowski. What a wonderful moment for Ineos Grenadiers, Kwiatkowski and Carapaz. And they're going to cross the line. Who's going to take it? The first rider across the line for me was Mikhail Kwiatkowski. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point je suis reconnaissant vis-à-vis de toute l'équipe et particulièrement de Richard. Vous savez, j'ai connu plein de beaux moments dans le cyclisme, mais celui-ci, je ne suis pas prêt de l'oublier. Ineos tient sa revanche, si Carapaz a pris le maillot à pois, Kwiatkowski a remporté sa première victoire sur un grand tour. Surpris en 2016 par Pantano entre Bourg-en-Bresse et Culoz, l'ancien champion du monde prend sa revanche. Au classement général, pas de changement dans le top 4. Uran, Valverde et Yates ont perdu 1 minute 40 aujourd'hui. Landa et Henrik Maas en profitent et font la bonne opération de la journée.